Ce matin sur la Cano, bonjour à toutes et à tous. On commence la journée avec un temps couvert à variable, ponctué d'averses, une température extérieure à 18 degrés, une température de l'eau à 20 degrés, une marée qui est en train de finir de monter, le plein haut est à 7h50, coefficient 82 sur cette fin du montant, le vent est onshore nord-ouest, il y a 1, 2 Beaufort, le plan d'eau est ridé, un peu de la peau, les phases de vagues sont un peu ridées, et on a une houle qui est moyenne à longue avec 9 à 10 secondes de période orientée ouest à ouest nord-ouest, une houle qui est multipique et qui est à la baisse par rapport à hier soir. Il y a un déferlement régulier à 1 mètre, sur les séries à 1,20 m. Bon, de la houle un peu multipique, un peu sectionnée, des vagues de qualité moyenne, mais sur le plein haut avec un vent qui n'est pas vraiment violent, il y a quand même quelques bouts qui passent. Il y a des surfeurs qui se préparent à aller dans l'eau. Bon, c'est quand même agité, des vagues de qualité moyenne, avec une barre facile à franchir et pas vraiment sélective. Praticable pour tout le monde. Il y a quelques séries de temps à autre qui activent un peu le large, comme on voit là. Bon, ça sectionne, un peu agité, bon, pas fou, mais quand même moins pire que la fin de journée a priori. Évolution pour le reste de la journée, la boire cachon est à la hausse à 2,20 m et 7 secondes. On attend à 9h 1,20 m, ou l'ouest à ouest nord-ouest, 9 à 10 secondes de période, vent de nord-ouest, un de Beaufort à 13h, 1,20 m, peut-être un poil plus, ou l'ouest à ouest nord-ouest, 9 à 10 secondes de période, vent ouest nord-ouest, un de Beaufort, et à 17h 1,30 m, ou l'ouest à ouest nord-ouest, 10 secondes de période, vent de nord-ouest à 2-3 Beaufort. Du surf et de l'action qui devrait être un peu plus dégradé cet après-midi. Le meilleur créneau est quand même sur la première partie de journée. Prochain point à 8h30. A tout à l'heure, merci.